Regardez qui c'est qui est là. Doucement, Mathéo. Elle vient de se réveiller. Elle va venir te déposer à l'école, ok? Il va jouer, papa. Papa, il fait dodo, il est fatigué. Non, il a passé une nuit compliquée, papa. Allez, viens. Et ben, dis donc. Bah donc. Bravo, Mathéo. Et Batman. Non, c'est Batman. Batman. On y va? Oui. Ça, c'est les cartons vides, il va falloir qu'on aille les jeter. Oui. Elles vont faire la rentrée scolaire. Tu fais un quart? On a tout ça à débarrasser, tout ça. Voilà, il y a un mec qui vient vider les cartons. En fait, on a déménagé, mais il y a tout ça. Là, ils sont en train de faire un peu le jardin. On a ça à poser. Et il y a tout en haut. Tout ça à ranger. Là. Ça. Bon, aujourd'hui on choisit les rideaux. Pour la maison. Non. Je vous ai réservé une surprise. Ah. Aujourd'hui, vous êtes 51 joueurs. Là, franchement, la surprise du lion, je suis dégoûtée. The painting. Yeah. Wow. Everything is good, mommy. Yeah. Bon, on va récupérer les garçons. C'est parti. On va voir comment ça s'est passé. Je vous avoue que ce matin, avant de bébé à la clim, je vous avoue que ce matin, quand je les ai déposés, les garçons, ils ont pas mal pleuré. Ils voulaient pas aller à l'école. Et du coup, on va voir comment ça s'est passé. Bon, ils m'ont envoyé une photo. Ce qui est trop bien à Dubaï, c'est qu'ils envoient des photos tout le temps. T'es au courant, en fait, en temps et en heure de ce qu'ils font, quand ils dorment, quand ils vont aux toilettes, quand ils mangent, s'ils ont bien mangé et tout ça.
Donc voilà. Donc au bout de 10 minutes, eh ben, ils allaient beaucoup mieux, quoi. Donc voilà. Bon, je suis sûre que ça s'est bien passé. Milo and Mateo. Ah non, je c'est Mateo. Non, gabarit en fait, c'est costaud qui court. It's my Superman. T'as choisi Strawberry? Il d'aller chercher notre goûter, parce que nous aussi, hein, on a le droit au goûter. Alors Milo, c'est Monsieur Donut. Qu'est-ce qu'il aime ça? Ils ont été super gentils à l'école. Ça s'est super bien passé, tous les deux. Du coup, Mathéo, il a la glace. Et Milo, il a eu son donut. Et moi, il y aura des photos. T'as fait quoi à l'école, monsieur? Mathéo? T'as fait quoi à school? Non, j'ai est fou. Le G est fou? Oui. Hello tout le monde, bon, je voulais vous faire une petite story pour vous remercier du soutien que vous m'avez apporté pour l'aventure qui commence dans quelques heures. La saison 3 des 50 démarre aujourd'hui. Donc merci à toutes les personnes qui s'inscrivent dans mon club de soutien. J'espère vraiment ne pas vous décevoir. L'aventure démarre très fort, en tout cas pour moi. Donc soyez au rendez-vous, vous n'allez pas être déçus. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Je pense que cette semaine, ça va être une semaine riche en émotions. Voilà, il va se passer beaucoup de choses. Donc, soyez au rendez-vous. Comme vous allez pouvoir le constater, dans cette aventure, à la base, je fais face à revoir certaines personnes avec qui je ne m'entendais pas forcément dans le passé. Donc, n'hésitez pas à regarder W9 pour voir comment on a grandi, comment on a pris en maturité, comment on a évolué, enfin, tout ça, quoi. Parce que le temps a filé, les embrouilles, c'est peut-être du passé, je sais pas, on verra. D'ailleurs, j'ai bien envie de débriefer avec vous et les débriefs vont se faire, je pense, sur TikTok. J'utilise pas trop cette application, c'est vrai que j'ai du mal à être sur Instagram, Snapchat, TikTok, tout ça. Donc, mes débriefs des 50 seront sur TikTok. Voilà, je vais faire des lives avec vous, je vais regarder un peu tout ça pour voir un peu ce que les gens disaient derrière en interview, pour voir comment est la diffusion. Je vais le découvrir avec vous. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur et de l'intérieur, c'était dingue, c'était trop bien, c'était trop bien. Donc, j'espère que vous allez autant kiffer que nous. Super Hero Bath Bombs. Ok, on ouvre? Yeah. Vous allez prendre le bain? Wow, nice. Blue and green, like your eyes. Blue, orange. Yeah, blue and orange. Blue and green. Non, Mathéo, il faut attendre qu'il y ait de l'eau et on va le mettre dedans. Blue. Yeah. On n'en met que une aujourd'hui et demain on en mettra une autre. Wow. Maman. Regarde, il y a du rouge dedans. Quoi? Regarde, inside. Look inside. Wow, il y a quoi dedans? Il y a une surprise. Oui. Quoi? Laisse-le dedans, Milo. Laisse-le dedans. C'est quoi?
Ouais, c'est trop une bonne surprise de cadeau d'anniversaire, ça. Regardez, ça fait une boule de bain. Du coup, les enfants, ils sont contents. Et dedans, il y a une surprise. Mais il faut attendre que la boule de bain se dissoude. C'est quoi dedans? C'est quoi? C'est la surprise. Un petit le peu? Oui. Un petit peu ou un little? Là, là, là. Yes, when it's wet. Oh! Un copain, yay! De mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. T'as dit quoi, Mathéo? On peut te faire. J'entends pas, plus fort. On peut te faire. Attends, on est en train de parler de nos prochaines vacances. Rien à voir, Mathéo vient de te dire. Je veux une petite sœur, avoir une petite sœur. T'as entendu ça où toi? Attends, mais c'est choquant. Mais toi, tu as dit... À mon tuteur. Ah, t'as dit ça à ta maîtresse? Pourquoi tu as dit avoir une petite sœur? Pourquoi tu nous dis ça d'un coup là? Pourquoi Mathéo? C'est une petite sœur. Mais est-ce que tu veux une petite sœur, Mathéo? Tu veux? Et Milo, il veut? Vous voulez une petite sœur? Oui. Et elle sera où la petite sœur? En maison. Ok, dans notre maison, mais elle sera où? Où? Bah oui, comme Milo Mathéo, ils étaient où Milo Mathéo avant? En maison. Oui, mais dans le quoi? Dans le ventre de qui? Maman. Bah oui. Donc tu veux une petite sœur dans le ventre de maman? Oui. Et tu veux qu'après elle soit dans ta maison? Ben ok, mais est-ce que tu seras gentil avec ta petite sœur? Oui. Tu feras quoi avec elle? Tu vas jouer avec elle. Est-ce que tu seras gentil? Oui. Tu feras quoi? Des bisous ou tout ça? Oui. Ben dis-moi, tu feras quoi avec ta petite sœur? Quoi? Tu feras des bisous et des câlins? Bah, bibi. Et est-ce que si elle pleure ta petite sœur, tu vas la réconforter? Ah, si t'es un grand frère remarquable et ainsi que Mathéo, pourquoi pas? Mais il faut nous prouver, là vous nous prouvez pas que vous êtes des, des grands frères remarquables pour l'instant. Hein? Oui. Donc si tu es gentil et que toi et Mathéo vous arrêtez la bagarre et de vous chamailler, peut-être que si vous êtes gentil. Parce que là en ce moment, je suis en train de faire la bagarre. Et Milo, tu veux qu'elle s'appelle comment ta petite sœur? Son prénom. You can choose the name. Tu peux choisir son prénom si tu veux, Milo. Milo. Mais non, Milo is for boy. It's your name. JJ. Ah, JJ is JJ, is Matteo. Girl name. It's a girl name. Like Hillary. You know, like. Mamu. Mamu, no, it's not a name. Like, I don't know. Tia, you know, like Jade, Inès, Caroline, Isabelle, you know? Which name do you want? Inès. Inès? Yeah. Yeah, like your cousin, hein? Elle n'a pas beaucoup d'inspiration. Et toi, tu veux Jade? Oh, maybe Joy? Joy? Or Iris? Ah, non? Tu veux une petite sœur comme Iris? Tu feras des gros bisous et des gros câlins, tu me promets. Et si elle pleure la nuit? Quoi? Si dans la nuit elle pleure, tu feras quoi? Bisous. Des bisous? Oui, des bisous. Des bisous. Et si elle pleure? Des bisous. Et si elle pleure et qu'elle dit: oh, j'ai faim. Tu fais quoi? Manger.
À manger, il dit. Tu dois manger. Elle mange quoi, le bébé? Il mange quoi, le bébé? Non, boire. Boire un bibi. Oui, boire un bibi. Est-ce que tu changeras les couches? Non, on peut pas. Bah, pourquoi que papa. Maman. Oui. Ah. DJ, c'est un grand. DJ, il avait plus de couches, lui. Plus de biberon, plus de couches, la nuit, la journée. Moi, tu sais, mais c'est moi, Samy. T'as vu, Teddy? Mais du quoi? My teacher, elle a plus de couches, Samy. Ah ouais, non, ça, c'est trop drôle, d'ailleurs. Il était pas content. Ouais, la teacher de DJ. Elle savait pas? Elle savait pas. Non, c'est une assistante. Une assistante. Elle savait pas. Et du coup, elle a voulu mettre une couche à Mathéo. Pour la sieste. Pour la sieste. DJ, t'as dit quoi à ta teacher? T'as dit quoi? Non, il a dit non. Non, il a dit non, je suis pas un bébé. Je suis parti le récupérer à l'école à 16h, il m'a dit hey, ma teacher, poutre couche bleu. Ouais. Non, mais DJ, il est incroyable pour ça. Pour DJ. DJ, il a plus de couches. DJ, depuis it's a big boy. C'est 2 ans. Ouais. Et moi? Et toi, depuis tes 2 ans et demi? Ouais, non, mais DJ, remarque. Non, quoi? 3 ans. 3 ans? Oui. Depuis tes 3 ans? Non, oui. Un peu avant Milo. Un peu avant Milo. Pas mal, franchement. Bah ouais, c'est bien. Correct. Et là, on va reprendre les cours de piscine. Ah oui. On fait du foot. Oh là là. Et bientôt, on va enlever les petites roues sur le vélo. Quoi? Sur le vélo de Milo et Mathéo, il y a les petites roues. On va bientôt enlever les petites roues. Bye bye. New home. J'ai my birthday. Yay, all your toys are here. Et paf. C'est parti! Le château! Bon, les amis, on a regardé le premier épisode des 50 dans le lit comme ça. Franchement, top! Super, hein? Ouais, j'ai kiffé. Dieu, il dit, c'est trop bien monté. C'est très bien monté. Franchement, bravo, bravo au monteur. Ouais, Et au candidat ou pas? Hein? Au candidat. Bien sûr, tout le monde, toute l'équipe. Non, franchement, ça s'annonce pas mal. Comme je vous ai dit, moi, j'ai adoré tourner cette saison. Donc, j'espère que vous allez autant aimer regarder que nous, on a aimé tourner. La plupart des candidats, vraiment, des joueurs ont vraiment, vraiment kiffé tourner cette aventure. Donc, c'était un plaisir de le faire. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ben, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Demain, je réponds à vos messages pour savoir si vous avez kiffé, pas kiffé. Et puis, ben, c'est parti, hein, tous les jours, du lundi au vendredi. Quelle nuit compliquée. Regardez qui est-ce qui est dans le lit. Perle et Mathéo. Il est où papa? Il est où Milo? Hein? Quelle nuit compliquée, Mathéo.